Oui, bonjour, je vous retrouve le mercredi pour parler des Jeux olympiques. Aujourd'hui, le serment olympique, c'est la parole d'honneur, l'affirmation. Prononcée pour la première fois aux Jeux olympiques d'Anvers en 1920 par Victor Bouin, un escrimeur belge, le serment olympique fait partie du protocole de la cérémonie d'ouverture. Vous l'entendrez lors de la cérémonie d'ouverture. Depuis les Jeux olympiques d'été de 2020, c'est récent, le texte a été modifié et ce sont désormais 6 personnes qui prononcent ce serment. 3 couples, hommes-femmes, formés de 2 athlètes, 2 juges et 2 entraîneurs. Donc ces représentants prononcent ce serment. Au nom des athlètes, au nom de tous les juges, au nom de tous les entraîneurs et officiels, nous promettons de prendre part à ces Jeux olympiques en respectant et en suivant les règles dans un esprit de fair-play, d'inclusion et d'égalité. Ensemble, nous sommes solidaires et nous nous engageons pour un sport sans dopage, sans tricherie et sans aucune forme de discrimination. Nous le faisons pour l'honneur de nos équipes, dans le respect des principes fondamentaux de l'olympisme et pour rendre le monde meilleur grâce au sport.